Bonsoir Hélène, nous sommes mardi 2 juillet 1900, 2019. Je reviens vers vous pour bien préciser. Préciser quoi? J'ai failli arrêter YouTube et qu'on m'a quand même un peu remis sur les rails. Oui, voilà, donc pour ceux qui ne suivaient pas, qui sont pas abonnés sur Insta ou sur Facebook. Donc, je me suis accrochée avec une collègue. La vie, déjà, bon, c'est pas agréable en soi. Bon, voilà, j'ai mal compris un truc, je l'ai traduit, je m'en excuse. Déjà, je m'en excuse, mais bon, on me dit des trucs, je le traduis comme ça parce que c'est dans mon caractère. Rien de grave, la vie du boulot. Mais c'est surtout la fête qu'elle me regarde en disant, mais comme ça, tu peux regarder sur YouTube. Ben, je regarde déjà, je regarde sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que je suis sur YouTube. Donc, il paraît que beaucoup de mes collègues me regardent sur YouTube. Ben, qui me regardent sur YouTube, il n'y a pas de problème. Je ne me cache pas, je cache pas beaucoup de choses. Voilà. Donc, après, comme j'ai dit souvent sur certaines vidéos, ben, que s'ils ne sont pas contents, si ça peut les choquer, etc., eh ben, ils vont voir ailleurs. Ce n'est pas un problème. Je veux dire, je ne suis pas là pour avoir l'assentiment. J'ai failli supprimer quelque chose qui me tient à cœur. Je ne suis pas la plus grande youtubeuse du monde. Mais ça me tient à cœur ce que je fais, ça me tient à cœur. Même si je suis débile, même si c'est débile pour certaines personnes, même si je raconte ce qui m'arrive, ben, les gens racontent ce qui leur arrive. Hein, à ta manière, hein. Je dis au revoir, si vous avez compris. Donc. Alors, si j'ai gêné certaines personnes, je m'en excuse. Si j'en ai pas gêné certaines personnes, je m'en excuse. Et je répète, moi, quand j'ai des vidéos qui me plaisent pas, je passe. Il y a des choses qui me plaisent pas certaines chaînes que je suis. Ben, je passe. Je passe la vidéo, je passe la chaîne. C'est comme ça, c'est YouTube et j'en verrai d'autres et j'en verrai de moins et j'en regarde plus, j'en regarde moins. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse encore faire du mal comme ça. Qu'elle soit pas d'accord, qu'on se soit accroché, parce que ça s'appelle la vie du travail, ben c'est comme ça, c'est pas agréable, parce que c'est en plus devant tout le monde, c'est jamais très agréable. Mais la petite pique de la dernière phrase m'a pas plu, parce que ça reste entre guillemets, alors j'appelle bien entre guillemets, ma sphère privée. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est autre chose, que ça puisse pas plaire. Donc j'essaie, bon après je suis pas très fine sur certaines vidéos, je m'aperçois que je dis des choses, mais je cite pas de nom, etc., etc. Voilà, je pense pas avoir fait. Voilà, j'ai mal compris un truc, j'ai mal compris une phrase, j'ai mal interprété quelque chose. Bon, ça arrive et ça m'arrivera et je dirai des phrases qui seront mal interprétées. Voilà, ça arrive à tout. Mais cette colère qui a été contre moi, je l'ai pas compris en soi. En soi, on peut dire voilà, j'ai pas apprécié ce que tu as dit, mais pas dire voilà. Et ça c'est typique des gens. C'est pas typique des gens. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est souvent les gens. Moi, j'ai une copine, elle m'a raccroché au nez parce que je lui ai dit la vérité. Ouais, toi, tu sais pas, t'es célibataire. Ben ouais, je suis célibataire. Si je le sais pas. Voilà. Ou des choses, une dispute qui a rien à voir et elle me sort une phrase qui me fait toujours du mal, même 2 ans après. Voilà. C'est pour bien appuyer là où ça fait mal. Après, je ne dis pas que je ne suis pas exempt aussi de ce genre de choses. Et si je le fais, ben, je m'en excuse auprès des gens parce que je suis humaine et machin. Oui, je suis humaine. Voilà. Voilà. Donc, j'ai failli arrêter YouTube. On m'a dit que non. Voilà. Je continuerai à dire que je baise ou pas. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est le thème de ma chaîne. Hein. C'est comme ça. On m'aime parce que je suis naturelle. Comme j'ai rencontré la youtubeuse, est-ce que me permettre de dire son nom? Je sais. Je crois que je dis son nom. Enfin, je ne sais pas si je peux dire son nom. Voilà, quand on s'est rencontrés sur Anglette, elle m'a dit, j'adore ta chaîne, c'est nature peinture. Voilà, tu dis la vérité. Enfin, je pense que nature peinture pourrait se dire la vérité. Voilà, elle apprécie ma chaîne, comme elle peut apprécier des chaînes plus sophistiquées ou des chaînes encore plus roots que la mienne. Voilà, comme moi j'aime les chaînes sophistiquées que je suis pas. Voilà. Mais j'essaye, en tout cas, peut-être je le fais pas, mais j'essaie quand même de pas appuyer là où ça fait mal. Je dois le faire, hein, je dois le faire parce que. Et si j'ai dû gêner des collègues, etc., ben je m'en excuse. C'est pas méchant, c'est parce que c'est dans mon caractère. J'essaie de pas trop de le refaire sortir au boulot parce que c'est pas l'endroit. Je pense, une collègue souriante, toujours amène, amène. Voilà. Je pense pas avoir mérité.
La bronca. Je pense avoir mérité une mise au point, une mise au point des choses. Je pense l'avoir mérité, mais je ne mérite pas la bronca et surtout ce qu'on m'a dit. J'ai qu'à le dire sur YouTube. Et je le dis sur YouTube, voilà. Mais je le dis sur YouTube et je continuerai à le dire. Je continuerai à dire ce que j'ai à dire, que j'ai baisé, que j'ai pas baisé, que je suis allée voir ma fille, que je suis pas allée voir ma fille, que si, que ça, les fêtes de Bayonne, etc. Ou pas les fêtes de Bayonne, des blablas, des holnos, des holactions, des produits terminés. Je continuerai parce que. On m'a dit ce soir que ça ferait trop plaisir pour pas que je le termine. Alors, si elle vient me voir demain ou dans quelques jours en disant j'ai pas à le dire, mais je cite pas de nom, je pourrais, mais c'est pas à mon avantage de citer des noms. Mais voilà, que je mérite une mise au point, je la mérite parce que j'ai mal compris, ou j'ai voulu mal comprendre, ou c'est mon manque de confiance en moi qui a mal compris. Ça doit être possible. Mais franchement, je n'ai pas mérité à ce que ça parte en épingle et qu'à la fin, on se retourne en disant à la Pécresse, eh bien, tu le mettras sur YouTube. Eh bien, je le mets sur YouTube, ça fait 7 fois que je le lis. Voilà, je suis comme Chris Détec, on est sur le port de Saint-Tropez, vous regardez la chaîne, vous regardez cette chaîne des fois. J'adore cette chaîne, mais il me gonfle, il me gonfle. Et oui, je cite des noms. Voilà, voilà, c'est un mec qui pêche à la il pêche à l'aimant, était sur le port de Saint-Tropez. Toutes les 3 secondes, il disait pas qu'il était sur le port de Saint-Tropez, on n'a pas compris où il était. Voilà, donc c'est un peu autre chose. J'en ai parlé de ce monsieur il y a pas longtemps. Donc bon, voilà, donc voilà, c'est une mise au point, mais voilà, ça me permet de vous rassurer, entre guillemets, après vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Mais pour ceux qui ont été contactés, qui n'ont pas répondu, ben, ils ont l'explication pourquoi j'ai contacté. Voilà, j'étais pas très bien hier ce soir. Franchement, j'étais vraiment pas très bien en sortant du boulot parce que, je répète, je méritais pas. Le montage en épingle. Je méritais la mise au point, mais je méritais pas à ce qu'on monte en épingle. Hein. On peut dire les choses. Écoute, tu m'as mal compris. J'ai pas voulu dire ça. Bon, ben je dis, ben écoute, parce qu'en plus pire, c'est que j'ai même pas pu dire, ben écoute, j'ai mal compris. Je m'en excuse. Voilà, ça peut arriver. Et voilà, parce que bon, comme je suis de remplacement, on m'a dit si, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Donc moi, j'ai extrapolé, j'ai pensé que, comme d'habitude, etc. Ce qui n'était pas vrai. Voilà, mais c'est pas méchant, c'est pas contre les personnes, c'est pas. Je mérite pas non plus à ce qu'on se mette en quatre pour moi. Hein. Vraiment, je le mérite pas du tout. Je suis que standardiste. Donc voilà, mais voilà, c'est un malentendu et ça a été monté en épingle jusqu'à qu'on me dise j'ai qu'à le mettre sur YouTube. S'il y a des gens qui regardent, qui continuent à regarder, ben, tant mieux. Il y a des millions de chaînes. Si vous n'êtes pas content sur ma chaîne, voilà. Après, j'ai posé une question à ben, la fameuse youtubeuse que j'ai croisée à Anglet. Voilà, au début de la vidéo, elle me répondait. Donc je vais voir sa réponse parce que des fois, j'ai des choses. Et s'il y a plein de choses qui pourraient faire croire que ben, c'est pas vrai, il y a des choses, j'avoue franchement, je suis cachouse. Voilà. Donc en ce moment, je suis pas très bien. Je dis pas que la vie elle est bien. Je suis contente de revenir travailler. J'espère bien travailler. Je sais que je suis pas parfaite. La preuve en est, j'ai mal compris ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Mais voilà, parce que j'ai extrapolé sur quelque chose et voilà, ce qui n'était pas le cas. Et je m'en excuserai toute ma vie. La prochaine fois, je vais prendre, entre guillemets, pour argent comptant ce qu'on me dit et en fin de compte, ça va être vrai et que machin, que truc. Voilà, donc ça, c'est mon caractère. Je continuerai à déconner, je continuerai les holnos, les holactions, les produits terminés, les blablas. Bon, les blablas, il faut que je retrouve le petit carré parce que je l'ai perdu dans le bordel incommensurable qui est ma bagnole. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'était une petite. Pas une mise au point, parce qu'il n'y a pas de mise au point à faire, c'est fait, c'est fait. Mais une petite vidéo pour rassurer les gens qui apprécient ce que je fais, ou pas, ou pas, ou pas. Il y a des gens qui n'apprécient pas, qui continuent à regarder, ça s'appelle des haters. Ben, des haters, ben voilà, on peut pas. Moi, quand j'aime pas, je passe. Voilà. Après, passamos, pa nous passamos, pero la cosa es que. Ah si, estaré siempre en el YouTube hasta que se pasa de moda. Pero la cosa es que le doy un beso. Je vous dis à demain et enfin demain, une prochaine. Demain soir je sors. No tengo ganas de salir, pero la cosa es que siempre hago como la gente quiere, si salimos, entonces. Vale, donc. Voilà, je vous fais de gros bisous et voilà, soyez rassurés ou pas pour certains, mais en tout cas,
Voilà, comme je parle du travail, comme les différents boulots que j'ai, ben voilà, j'en parle et voilà. J'essaie de pas trop dire où je suis. Si je l'ai dit et je m'en excuse, c'est vraiment pas exprès que je le dis. Et si je l'ai dit, je m'en excuse. Et voilà. Voilà. Bisous.